Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 35 sur Holicube. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. On se retrouve du coup au spawn. Je voudrais avancer comme je vous l'ai dit et rajouter quelques petites choses. Alors, si vous voulez, dans l'ensemble, la maison est terminée. J'ai mon chemin ici qui relie la place centrale à la maison. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, quelques petites décos, etc. Maintenant, il y a encore 2-3 petites choses qui me dérangent et qui font un peu de tâche, entre guillemets. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas fan des torches, donc ça, je voudrais l'enlever. Toutes les torches à droite, à gauche, je voudrais vraiment les enlever, histoire d'avoir de l'éclairage caché un peu partout. Bon, ça va être rapide à faire, hein. La maison, en soi, elle est terminée. L'intérieur, tout ce qui est déco, etc., c'est fait. Donc, j'ai pas à me stresser avec ça. Le petit jardin, ici, il est fait et terminé aussi, hein. Donc pareil ici, enlever la torche et puis gérer un éclairage pour que ce soit vraiment un peu plus sympa à regarder, pareil pour là. Mais j'ai rien à ajouter ici au niveau du petit jardin zen. Et ensuite la petite touche de redstone, hop là, juste ici avec le petit passage secret qui me permet d'accéder à ma salle des coffres, de quoi faire des popos, de quoi cuire différents éléments juste ici, on va dire, voilà. Petite salle très concentrée avec un peu tout et n'importe quoi normalement de ce dont j'ai besoin. Donc là-dessus, bon, je suis plutôt content avec ça, hein, ça me va plutôt bien. Maintenant, je voudrais changer un petit peu, enfin étoffer un petit peu ça et que ce soit un peu plus dense en fait, si vous voulez. Donc comme je vous l'ai dit, l'avantage ce serait d'avoir ici, donc le terrain j'y ai pas touché, j'ai laissé tel quel. Je me suis vraiment adapté en fait. À ce qu'il y avait d'existant. Maintenant, l'idéal, ce serait de terraformer un tout petit peu tout ça, histoire d'avancer un petit peu le terrain par ici. Bien évidemment, il faut que ce soit adapté sur les côtés, donc il faut que je fasse attention à ça, pour pas qu'il y ait de grosses cassures. Mais je voudrais, voilà, ici, aplanir un petit peu, rajouter un peu de dénivelé, mais en poussant un petit peu tout ça, afin de rajouter de la déco, donc de la déco comme quoi, un petit kiosque par exemple, quelques bancs, quelques petits trucs, enfin. Juste histoire de donner un peu plus de cachet en gros à mon petit chez moi et ne pas juste avoir une maison et le petit côté jardin qui est sur le côté, histoire d'avoir un peu plus d'éléments. Donc ce que je fais, c'est que je vais avancer un petit peu là-dessus. Je vais commencer à terraformer et alors ça, voilà, ça par exemple, là, j'ai un Enderman sûrement qui a pris. Alors, attends, un Enderman peut prendre un bloc alors qu'il y a une trappe d'or dessus. Je suis sceptique, mais c'est pas trop grave, je vais rectifier le tir et je commence à terraformer tout ce qu'il y a derrière et à avancer. Et puis bon, on se retrouve après pour faire le point. Et c'est reparti, on se retrouve pour faire le point sur ce que j'ai pu avancer, sur les points sur lesquels j'ai pu avancer depuis tout à l'heure. Et plus de torches, ça y est, je les ai enlevées. Alors, je suis pas encore allé, j'ai pas fait tout le tour de la friterie parce qu'il y en a encore par ici, mais il y en avait derrière la friterie ici, un petit peu sur le côté, donc tout ça je les ai enlevés. Pareil sur le chemin là, mais bon, c'est vrai qu'il y a encore de quoi faire, hein, vous voyez ici. Il y a encore pas mal de torches à droite, à gauche. Mais sur la partie où il y a ma maison, il n'y a plus du tout de torches. J'ai réussi à, voilà, ce qu'il y avait sur le chemin ici, j'ai tout enlevé et j'ai géré tout simplement, vous connaissez la technique, hop, avec des jack-o'-lanternes qui me permettent d'avoir de l'éclairage assez caché. Après juste ici, donc j'ai fait le kiosque, il est juste là, et donc j'ai prolongé le chemin ici, tout simplement. Je vous rappelle que juste là, c'est là où il y a mon passage secret, hein. J'ai pas appuyé dessus, voilà. Donc ça ici, je le rebouge pas. J'ai fait juste un petit dénivelé ici, hop, avec la suite du chemin qui repart par là, avec le même pattern qu'il y a devant la maison pour arriver au niveau du kiosque. Et alors par contre, au niveau de la maison, c'est vrai que il y a un petit peu trop d'herbe. On est quand même censé pouvoir passer vu que c'est un chemin qui est emprunté. Alors toi, piouf! Voilà. Et après, bah, il a coûté un peu de déco, hein, quelques buissons, des fleurs. J'ai repris ce qu'il y a sur le chemin principal, les petites fences comme ça en Dark Oak, ça passe plutôt bien. C'est assez sympa. Hop, on va faire le tour. Donc pas mal de fleurs, des buissons tout autour. Avec des vignes aussi, histoire de donner un peu plus de couleur, parce que ça a une teinte verte un peu différente. Le kiosque qui est juste ici, et bien évidemment, vous vous rappelez ce qu'on a vu ensemble en début de l'épisode, il y a eu tout le terraforming ici qui a été fait parce que la plateforme se retrouvait coupée beaucoup plus tôt que ça, et ça me permet d'avoir une avancée un peu plus sympa pour avoir quand même un minimum d'espace pour pouvoir construire. Au niveau du kiosque,
C'est assez simple hein, au niveau de la forme. J'ai regardé un peu sur Google Images des exemples de kiosques japonais où il y a une structure qui revient souvent, c'est donc des barrières dans des teintes colorées orange ou des barrières plutôt rouges, sauf que les barrières rouges on peut pas en faire. Et on retrouve très souvent des toits en verre, un peu comme Aipierre a fait en fait juste ici. Hein. Il est parti sur un toit qui est vert et effectivement on retrouve pas mal de constructions avec des teintes vertes comme ça. Et du coup c'est ce que j'ai fait, le petit pic qui repart en hauteur. Et pour terminer ici, ce que je voulais faire c'est juste rajouter quelques petites chaises entre guillemets, histoire que l'on puisse s'installer au niveau du kiosque juste ici et puis regarder l'horizon et s'accorder un petit instant de détente comme ils le font souvent au niveau des kiosques, c'est vraiment pour se détendre. Et la base, pareil, j'ai regardé un peu sur les photos, sur des photos sur Google Images, et on a très souvent une base en pierre brute, mais qui colle vraiment parfaitement à la cobble en fait. Hein. Donc on a une base comme ça en pierre, et ensuite on a la suite de la structure en bois qui remonte. Donc j'essaie de faire quelque chose qui se rapproche énormément de la réalité, et ça me paraît pas si mal que ça. Ça me paraît pas si mal que ça. Donc voilà un petit peu pour cette partie ici. Alors le seul truc, c'est que je regarde un peu au niveau de l'espace. Je vous avais dit que j'étais bien tenté pour faire par exemple un cerisier. Bon, ça va être aussi gros que ça hein, tout de même. Hein. Mais faire un cerisier dans les parages. Mais j'ai peur qu'au final, le kiosque est assez balèze, hein, comme vous pouvez le constater. Le problème, c'est que forcément, pour avoir un minimum de relief, je pouvais pas faire quelque chose de tout petit. J'ai essayé la taille en dessous et c'était ridicule. Hein. Donc je l'ai détruit et j'ai refait avec un bloc de plus sur les diagonales et sur l'écartement qu'il y a ici. Mais pour autant, ça éclipse pas non plus la maison. La maison reste assez imposante grâce au toit en termes de largeur. Donc ça, je vais laisser comme ça. Voilà. Par contre, le cerisier, bon, vous avez vu, j'ai encore de la place ici. Donc je peux éventuellement continuer à terraformer un peu comme un cochon. Le truc, c'est que j'aime assez ce côté, ce côté chemin en diagonale en fait. J'aime assez ce côté-là, on est en diagonale, on passe derrière la maison, on a le petit kiosque qui est derrière, qui ne se voit pas de devant et qui reste caché. Et je trouve ça sympa, alors que si je veux pouvoir ajouter un cerisier, il faudrait que je continue à terraformer ici. Ouais, je sais pas, bref. On verra, je suis pas forcément très fan, mais là, dans l'immédiat, là, la disposition actuelle avec les petits buissons et tout me plaît plutôt pas mal. La suite, alors qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? J'ai une petite idée pour la suite, je vous avouerai. Il se trouve que pendant ma construction, je me suis retrouvé, alors c'est un comble hein, pour quelqu'un qui est installé dans un biome désert, mais je me suis retrouvé en grosse, grosse, grosse galère de colorant vert que j'ai utilisé pour les carpettes et pour la clay ici. Et pour la simple et bonne raison que je n'avais pas beaucoup de cactus, quasiment pas. Donc mon idée, je serais assez tenté d'aller au biome du coup cette fois-ci, de retourner un petit peu dans notre biome, ça fait du bien aussi de retourner aux sources entre guillemets, hein. Bon même si le point de départ c'est le spawn. Et voir pour comment dirais-je, voir pour se faire une, alors rien de très exceptionnel, mais se faire une petite usine à cactus, je pense que ça rendrait plutôt bien. Ok, alors on se retrouve au niveau du biome. Hop, on grimpouille tout ça, nous voilà. Et donc comme je disais, l'idéal c'est de se faire une petite usine à cactus, pas besoin d'avoir un truc de fou furieux, hein. Le seul truc maintenant c'est à quel endroit est-ce que je vais pouvoir faire ça? J'en ai pas encore vraiment l'idée, il va falloir que je vois un petit peu. Hop, on referme ça. Ici c'est vrai que c'est toujours pas aménagé, là j'ai pas continué non plus. De toute façon j'ai pas 36 solutions, je peux partir vers là-bas. Ce que j'ai peur en fait ici, c'est que dans cette direction, on va se retrouver sous la future banque. Je veux que la banque soit là-bas en fait. Et c'est ça qui m'embête. J'ai pas envie de m'étendre vers là-bas alors que à terme j'aimerais plutôt placer ma banque. Et du coup, la solution qu'il me reste, c'est ici. Au niveau de la salle des fours, il faudrait que j'arrive à faire une ouverture par ici. Et je vous rappelle que la salle des fours est sous la forge. Voilà. Et donc ça me permettrait d'avoir l'usine à cactus qui va se situer à peu près en dessous de la maison où j'ai installé mes coffres et la maison à beacon, sachant que la banque sera à la place du chariot. Donc ça me permet d'avoir de la marge en termes d'espace. Donc je pense que je vais faire ça.
Bon, sachant que j'ai quand même pas mal de choses à faire, parce qu'il va falloir que je fasse une ouverture ici. Il va falloir que je fasse gaffe aux sources de lave, hein, surtout parce que je gère l'éclairage dans cette salle ici grâce aux sources de lave. Hein. Donc je vais faire une ouverture ici. Et je prépare le matos, mais vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis bah on attaque l'usine ensemble. Parcours! Oh, yeah! Alors l'avantage et l'inconvénient... Aïe! Bon, c'est fait. L'avantage et l'inconvénient d'être dans un biome désert, le voilà. Dès qu'on veut avancer un petit peu ou construire quoi que ce soit, on se retrouve du coup avec toutes les épaisseurs qui nous tombent dessus. C'est assez chiant à gérer. Mais bon, maintenant je commence à avoir l'habitude. Juste pour faire un petit update, j'ai du coup remanié ici hein, le mur pour avoir quand même assez d'éclairage avec la lave. Et j'en ai profité ici pour récupérer cet éclairage-là au niveau du couloir. Et vous avez vu que c'est à peu près la surface qu'il me faut pour l'usine à cactus, sachant que j'ai pas non plus en utilisé 150 spots. Hein. Mais le fait d'avoir le mur de profondeur et sur les côtés pour faire un peu de déco, ça prend pas mal de place. Donc au final, je vais plutôt le faire ici et pas en dessous des bâtiments comme je l'avais dit. Comme ça me permet éventuellement de pouvoir pousser le couloir jusqu'à là-bas et faire d'autres trucs. Et le principe va être assez simple, si vous voulez, je vais avoir différentes sources d'eau qui sont là. Est-ce que j'ai du sable? J'ai pas de sable, j'ai pas de cactus, bon c'est pas grave. Hop, on va prendre du sable au minimum. Et j'en ai pas mal. Et le principe est en fait est assez simple, hein. En gros, les blocs de cactus ne peuvent pas être collés. Et le pattern réside dans le fait qu'en alternant comme ça les blocs de pousse du cactus, on se retrouve en fait avec donc des cactus sur chaque bloc. Non, pas ça. Hop. J'ai pas de fence. Non, j'ai pas de fence. C'est pas trop grave. Ici, vous avez le cactus. Et entre chaque bloc de cactus, ou de manière optimisée, en tout cas, vous mettez par exemple une fence. Comme ça, dès que le bloc de cactus va pousser, il va popper en fait avec le bloc adjacent qui va le gêner pour la pousse. Donc, bref, je vais vous montrer ça, vous allez voir, ça sera beaucoup plus clair. Là, ça me permettait surtout de faire un petit update pour que vous puissiez voir à peu près où j'en étais et puis, bah, l'air de rien, voir déjà un petit peu la taille de, en termes de surface de ce qu'il faut pour la ferme, sachant que, bon, vous pouvez très bien faire une mini ferme, genre, hop, hop, hop. Ça, c'est faisable, hein. Vous pouvez faire un truc comme ça hein, et pas vous embêter, hein. Mais voilà, je veux un truc plus gros, comme ça, je suis tranquille. Et j'ai pas à revenir dessus quoi. Ok, alors ça y est, la petite ferme à cactus est terminée. Et vous allez voir, hein, c'est vraiment très simple comme principe et assez efficace. Il y a juste quelques petits prérequis à savoir. Donc, hop là, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, vous avez plusieurs sources d'eau avec un petit dénivelé. Donc ça me permet du coup de faire descendre l'eau jusqu'ici sur une ligne de hopper, tout simplement. Tous ces hoppers-là sont redirigés vers celui du centre qui me permet de récupérer du coup le cactus dans celui du centre. Et le petit truc, vraiment très simple, hop, on va virer ça, et hop, voilà. Le seul truc à comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas énormément de fence, mais ces quelques fences suffisent en fait à bloquer, enfin pas à bloquer. En fait, le cactus va pousser d'un bloc, donc c'est-à-dire que par étape, le cactus va bien pousser d'un bloc, par contre au moment... Ah, on l'a vu en live là. Voilà, là on le voit aussi. Ce qui se passe c'est qu'au moment où il pousse, la fence, vu qu'elle bloque en fait le maintien du bloc, entre guillemets, du coup, le bloc de cactus pop et se retrouve du coup récupéré dans l'eau, tout simplement. Bon, c'est pas un truc, comment dirais-je, super compliqué, mais c'est quelque chose d'assez simple et efficace, sincèrement. J'en ai pas récupéré, j'ai pas mis beaucoup de... Hop là, j'ai pas mis beaucoup de blocs de pouce, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 13, ils sont alternés hein, bien évidemment pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est pas énorme mais vous allez voir que petit à petit ça va vite se remplir. Mon idée que j'ai en tête c'est que cette salle-là du coup, je vais la laisser comme ça avec des petits blocs de Mesa. Et ici je vais mettre des blocs de... enfin des coffres de stockage, ici. Parce que celui-ci, je pense que sur une ferme comme ça risque de vite se remplir. Donc je verrai. En tout cas, je vais rajouter du stockage. Et le couloir, je vais du coup, je vais pouvoir l'aménager et le continuer plus loin. Après, hein, quand j'en aurai l'utilité, j'ai cru voir un bloc popé encore. Non, je me suis trompé.
Donc je disais, et je vais pouvoir du coup l'avantage m'étendre un peu plus par là, et puis bah pourquoi pas mettre quelque chose ici de ce côté-là aussi. Hein. Ça me permet du coup en termes de possibilité de débloquer un slot supplémentaire pour pouvoir construire quelque chose. Donc ouais. En tout cas, je serai plus en galère maintenant avec les colorants à ce niveau-là, parce que jusqu'à maintenant c'était un peu la mission. Alors, je vais récupérer ça. Il y a un truc que je voudrais faire rapidement du coup pour la fin de cet épisode. Hop là, on va grimper. C'est juste du visuel, mais sur le dessus, au niveau du village, il y a deux, trois petites choses que je voulais faire. Et d'ailleurs, c'est déjà prêt. On voit déjà ici les petits trucs. Il me faut des sticks. C'est de la pure déco, mais je pense que ça va apporter deux, trois petites choses en plus. Allez, on va en faire une blinde, hein, tant pis. C'est comme j'ai fait ici, hein. Vous voyez ici, ça me permet de voir tout de suite que c'est une usine à poulet. Et en gros, le principe, c'est un peu la même chose, si vous voulez, c'est que quand on va se balader comme ça dans la rue, ça permet de tout de suite voir et de savoir en fait quel bâtiment correspond à quoi. Je trouve ça plutôt cool, plutôt classe. Bien évidemment, GPT. Attends, non, 1, 2 et 3. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, clac, pif, tac, voilà, comme ça du coup ici on sait que c'est... Allez, voilà, voilà, hop là, voilà, comme ça du coup on sait que c'est la salle des fours ici. Et je vais faire la même chose au niveau... Bon, au niveau de l'écurie ça reste... Hein ça reste quand même bien visible, non pas les selles, 1, 2, 3, ouais. On va prendre ça. Hop. Hop. Et le dernier. Nickel. Bon. C'est plutôt cool. Et puis en plus, ça donne un... C'est tout bête en fait, mais ça donne tout de suite. Voilà. Quand je mets comme ça dans l'avenue, ça donne tout de suite un tout petit peu de couleur. Et ça habille un tout petit peu l'avenue qui est en fait en full bois. Hein, mais c'est normal au niveau des bâtiments. Et là, tout de suite, clac, on voit les petits trucs. Voilà. Du point de vue fonctionnel, on voit le bâtiment. Clac, là c'est pareil. Alors au niveau du salon, on est un peu loin pour voir les bannières. Mais c'est pas trop mal, ça me plaît comme ça. Bref, en tout cas, alors moi déjà dans l'immédiat, hein, j'ai bien noté toutes vos propositions de prank. J'ai plus de bouffe. Donc toutes les idées de prank que vous m'avez données lors du dernier épisode, j'ai bien tout noté. Donc bien évidemment, je les ferai au fur et à mesure, j'irai tranquillement. Puis je verrai un petit peu selon les idées, puis selon aussi le temps de chacun. Parce qu'après le but c'est pas de faire une prank monstrueuse que l'autre joueur va mettre trois plombes à... comment dirais-je, à enlever. Et donc le fan art du jour, donc c'est un fan art qui m'a été remis en main propre, lui aussi, par Arthur, donc à la Toulouse Game Show du coup. Et donc merci à toi pour ce petit fan art tout mignonnet, hop, et qui fait partie du coup de la liste des fan arts présentés durant les épisodes d'Holicube. Voilà. Donc bah, je vais vous laisser là les amis. Moi d'ici le prochain EP, il faut encore que je travaille un petit peu sur hop, sur 2-3 choses. Hein, notamment ici, je vais continuer un peu à habiller l'usine histoire de la terminer. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait eu un petit. On avait eu un petit souci en fait avec les bibliothèques. Et les pistons où je voulais en fait mettre un minecart chest ici pour les enchantements. Et ça ne fonctionnait pas, donc ce qu'on va faire, c'est que moi, d'ici le prochain épisode, je vais voir aussi pour faire quelque chose de sympa ici, pour pouvoir aménager et ranger mes enchantements, comme prévu. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao, ciao. C'est le bordel dans mon inventaire. Pouah. Allez hop.